ramassé, un Canadien. Il a ramassé le maillot de meilleur grimpeur, le maillot vert de meilleur sprinter. Il va être leader ce soir du Critérium du Dauphiné. Il a marqué des points en vue du Tour de France, certainement. Jean Hébert. Avec David Vieux, ça sert du bien, ouais, ça, et attention, hein, c'est que ça va faire du boulot au Canada. Hein. Histoire d'un Canadien, on rappelle quand même que le Canada s'est ouvert au cyclisme, hein. Il y a le Grand Prix de Montréal en septembre, il y a le Grand Prix du Québec aussi hein, en septembre. Donc, ici à l'intérieur, regardez le maillot vert du record, c'est nul autre que David Veilleux. David Veilleux, il a vu que les leaders, les grands se regardaient. Regardez Peter Sagan, Paul Sagan, tout le monde se regarde. Oui. Chabanel et David Veilleux en profitent. Attention ici à gauche, est-ce que c'est Ryder Hachemont qui est sorti du peloton? On se rappelait, Ryder avait tenté la manœuvre, mais un tour trop tôt. Ryder, oui c'est Ryder, mais il n'a pas les jambes. Ryder n'a pas les jambes, il a levé la cadence. Veilleux bien en forme. Oh là là! Oh mon Dieu, si Veilleux est capable de faire le coup avec Sorensen. Se dă deoparte. Mai este însă cineva de la Rabobank. Voilà. David Veilleux pour finir. Allez, son jour de gloire à lui en tout cas. Attention au virage. Un vrai bonheur. Oui, attention au virage. Oui. Alors, tout le monde disait, tout le monde disait du côté du coureur ce matin, si vous voulez gagner l'étape aujourd'hui, il faut sortir en tête du virage. Il est tout seul, donc ça va être moins compliqué. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde aujourd'hui pour accueillir en Suisse l'arrivée de la première étape du Dauphiné. Et l'exploit, le mot n'est pas trop fort et sa joie est immense. L'exploit du Canadien, du Québécois, David Veilleux. Première grande victoire chez les professionnels. Première grande victoire avec l'équipe Orange Car. Bravo, Karim.